à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Regardez-moi cette verdure, ce calme, cette sérénité, cette nature. Regardez-moi cette allée, cette route parfaitement boisée. C'est magnifique, cette symétrie. Et regardez où nous sommes. Alors, changement de décor, vous voyez beaucoup d'astros là. On est à côté de Toulouse, à Fenouillet, au club de Fenouillet, sur les terres de Monsieur Farid Ben Mohamed. C'est son club, c'est son œuvre, c'est lui qui a créé ce que vous voyez. C'est un endroit où vous retrouvez beaucoup RC Balade, à qui je fais une grosse dédicace, que j'aime beaucoup. Donc voilà, on est à Fenouillet, et l'idée c'est de s'initier au indice. Voilà, c'est de passer un week-end indice. On sera demain à la GT8 Cup de Monsieur Jean-Philippe Dérault. On entre, allez, découverte, c'est parti. Je ferme bien la porte. Alors, regardez-moi ça. On va faire le petit tour de piste, et puis super podium. Donc stand électrifié, prise à disposition, éclairage, surface incroyable, un billard. Voilà, on est ici. MRCF, Mini Racing Club de Fenouillet. Ça va les gars ? Hello. Salut tout le monde. Salut, salut. Merci, merci Farid de nous recevoir, ça fait super plaisir, je vais calmer cette sanoie. Avec plaisir. Il fait beau. Gros soleil, donc il faut profiter. On est arrivé au billard indice. Donc là, on est avec Mika, pilote de la team RC Mumuse Tractor. Voilà. Et puis on est devant son XB2 2020, c'est ça. Mais avec des équipements 2021. C'est-à-dire le châssis. La plaque châssis. Ok, super. Donc on voit son stuff. Moi ouais, c'est pareil, vous vous rappelez, on avait préparé sur la chaîne un XB2 2021 avec des options spécifiques bien senties qu'on avait justement étudiées et décidées avec Farid. Donc il est là, je vous cache pas que c'est la deuxième journée, hier on a fait un petit test. Voilà, c'est, j'ai plus roulé sur la voiture du petit Noah et de Mika que la mienne. Moi j'ai eu un petit coup de malchance, un truc qui arrive à personne, un truc impossible, un truc improbable. Donc c'est réparé, on est reparti pour aujourd'hui. Au niveau des pneus, on a en gomme bleue et silver du crunch, enfin de l'axiome sismique à l'avant et du crunch à l'arrière. On va s'essayer aussi du Schum. On va faire le comparo. Schum qui est un peu quand même la référence sur le sujet. Puis on a sismique qui est vraiment très très fort sur le 1.8, c'est indiscutable. Et qui travaille, qui propose d'autres solutions, notamment sur le 1.10. Et c'est intéressant aussi. De voir où ça en est et ce que ça donne, parce que c'est vous avez eu un super live sur Circus avec Sébastien Léonard et c'est quelqu'un d'exceptionnel qu'on respecte énormément et qu'on aime beaucoup tout court. Voilà, c'est comme ça, on en est là maintenant. Ok, merci beaucoup. Non. Oh là là, la gizmer que j'ai fait.
Combien, Mika? Ah, je l'ai, le 24, là. Ok. Voilà. Ça, ça fait plaisir, on a progressé. C'est pas vrai. Quoi? Elle a coupé. Non homologué, refusé. Oh, tout de suite. Voilà, j'ai dû faire pas mal, non? Pas autant plus, mais ça doit pas être trop dégueu par rapport à ce que je fais. Ah, bah tiens. Attention à la bosse à droite. Oh merde, j'ai pris le pneu là, les gars. Ah, ça, c'est un pardon, pas t'as vu. Ça fait un top hit direct. Hein. Le pneu, faut l'appeler Gandalf, vous ne passerez pas. Oh, je suis parti tout droit. Mika, je suis à terre. Je suis cuit. Je vais ramasser. Tombez pas. Hein. Ah bah merde. Il y a le 24 ou pas? Non, sérieusement. Il y a le 20... J'y vais, remonte. Non, sérieux, il y a 24 et quelques, c'est vrai? Bah, regarde! Pour de vrai. Tombé dans les pommes, ça faisait une heure qu'il était par terre. Et Farid, 24-59. Ouais, bien, j'ai entendu deux, t'en as fait deux. Ça veut dire que je viens demain, 23, ça veut dire la semaine prochaine, 22. Ah, non, je déconne, je rigole. Non, dans une semaine, il y est. Impossible. C'est pas mal quand même, hein. Bah oui, c'est bien. Mais tu viens plus, toi. Attends, laisse-moi. Tu sais, moi, j'ai l'habitude de fermer 4 packs et je pars. Mais quand il va falloir fermer, regarde, il y a la volaille, il y a le couvre-feu, la totale, non, vide merde. Ah, je suis content de ouf là. Attends, j'y vais. T'es où? Non, on est en place là, on est en place. Ah merde. Ah, j'ai pas compris. Laisse tomber. Oh là là, on est content là. On est tout content là, on a fait son petit 24, c'est l'objectif. Ah ouais, je suis content. Il a craqué, Jonathan, il a craqué, la pression. Ok, oh, j'ai bien décalé là, pour éviter la voiture. Ouais, j'ai craqué. Voilà, je fais n'importe quoi là, c'est l'euphorie là. C'est bien. La pression.
Wow, j'ai failli décrocher là. Oh là là, je l'ai senti que j'allais partir à la faute. Et moi je repasse devant tout le monde. Non. Au secours! Oh, il y a un salon de thé derrière, les mecs qui discutent là, ils ramassent pas. Allô la base? Oh, ils sont à foutre, c'est mort. Derrière, il y a l'aileron. Waouh. Ah ouais, ça y est, on est tous bien là. Bon, je vais y aller, j'y vais, allez. C'est pas grave. Non, j'y vais, ouais, les gars. Là, on est tous en tension en plus. Il y a un carambolage. Merci en tout cas. Attends, reste là. Mais non, j'y vais. Mais j'ai plus de batterie. Mais moi aussi, je suis en fin de pack de toute façon. Hop. Allez, c'est reparti. Oh, c'est... Par là, ouais, pardon, désolé. On peut passer, on peut travailler, s'il vous plaît. Oui, allez-y, monsieur. Monsieur, appelle-moi 24. Oh, ça c'est une merguez ou pas ça? Là c'est la Caro qui a pas compris hein. On aurait dit comme ça quand elle était tout en travers, on aurait dit la tête à travers l'ombre. Ah merde.